plus, nous avons dit que nous recevons le Christ, nous recevons la parole de Dieu. Amen. Hein? Avec honneur. Parce que c'est la parole de Dieu que nous recevons. Nous ne sommes que des simples instruments. Amen. Bien-aimés, je vais continuer notre enseignement sur ce qu'on avait parlé le dimanche passé. Mais je vais parler un peu de la vie de la connaissance. Parce que le problème est que quand on prêche la parole de Dieu, on peut aller vous démontrer ça c'est Christ, le problème est qu'on puisse pénétrer dans la vie. Amen. Hein? C'est ce que j'appelle la vie de la connaissance. Et comment sortir de cette situation? On a dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 4, où Dieu a dit aux enfants d'Israël, par ton naissance, par ton énergie, tu étais du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen. Ta mère était une Hessienne. Le jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Quand on regarde Ézéchiel, comment est-ce qu'on peut aller un peu très loin? Dieu a choisi Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, nous voyons les Moïse, nous voyons les Josué, les David, tous ces gens-là. Et maintenant, c'est le temps où on parle maintenant d'Ézéchiel. Mais comment Dieu peut revenir que ton nombril n'a pas été coupé? Amen. Hein? C'est comme si tout ce temps-là, quand Dieu regarde Israël, il constate qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Amen. Et c'est quoi? C'est ça le cordon ombilical. J'avais dit la fois passée que, parlant du cordon ombilical, c'est quelque chose qui relie les mères à l'enfant. On va lire pour le respect de la parole ce verset, afin de continuer cet enseignement et que les enfants de Dieu puissent connaître exactement ce qu'ils doivent faire. On va s'élever. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, pasteur Moshe, et dans les sentiers du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère était une Hessienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau, on s'arrête là-bas, ton cordon n'a pas été coupé. On voit maintenant le verset 44. Voici tous ceux qui disent des proverbes, d'appliquer ces proverbes. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une ancienne, votre père était un amoureux. On va ajouter l'écriture de Josué 24, verset 2, vous sautez pour le verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 10. Josué dit à tous les peuples, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Terach, père d'Abraham, père d'Anachor, habitaient anciennement dans l'autre côté du fleuve, ils servaient d'autres dieux. Bien-aimés, je suis en train de parler des cordons ombilicales. On doit couper. On va enseigner un peu comment couper ça par rapport à la vie de la prière. Amen. Hein? Quand Dieu dit ça, vous allez revenir un peu en arrière pour voir la marche des enfants d'Israël. La Bible nous dit que tout ce qui est arrivé chez les enfants d'Israël doivent nous servir d'exemple. Amen. Hein? C'était écrit pour notre instruction. Et quand vous regardez dans la Bible, ici on parle de l'idolâtrie d'Israël. Amen. Hein? Parce que leur père était idolâtre. Ça veut dire, le père d'Abraham, on appelait Terach, qui servait d'autres dieux, qui était plongé dans l'idolâtrie. Vous allez constater que, en lisant 1 Corinthiens 10, verset 7, la Bible dit, de Saint jusqu'au verset 11, ne devenez point d'idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, les peuples s'assis pour manger, pour boire, puis s'élever pour se divertir. Et on nous défend d'être comme les enfants d'Israël. Amen. Hein? C'est que
On peut retrouver aussi l'idolâtrie. Je sais qui prie aujourd'hui. Amen. Mais ça sera quelle sorte d'idolâtrie qu'on va voir. En bas, on dit, ces choses-là sont arrivées, verset 11, ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, en nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voilà ce que l'Écriture dit. Et si l'on retourne un peu, ce qui s'est passé dans l'ombre, parce que là, on doit tirer l'instruction. Amen. Hein? On dit que ton nombril, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des enfants d'Israël? Vous allez voir que s'il y a un peuple où Dieu s'est révélé avec force, puissance et des miracles, c'était les enfants d'Israël. Amen. Mais malgré tout ça, bien-aimés, leur cœur était comme le cœur de leur père et de leur mère. Vous voyez ça? Regarde, un jour, ils étaient avec Moïse. Après un moment, Dieu a appelé Moïse pour aller donner à Moïse les lois, les ordonnances. Et le peuple, ça c'est Exode 32, vous prenez du verset 1 jusqu'au verset 6. Vous allez voir que la Bible dit que le peuple voyant que Moïse, Exode 32, verset 1 jusqu'au verset 6, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous savons ce qu'il est devenu. Aaron leur le dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, les apportèrent à Aaron, il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau à métal fondu. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Il s'écria, demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes, des sacrifices de grâce, les peuples s'assirent pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Quand vous voyez cette écriture, ça veut dire que c'est en rapport avec ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 10. Amen, hein? Amen. Où on dit que le peuple était idolâtre. Il mangeait, il buvait, il se divertissait. Amen, hein? Amen. C'est là où on a tiré ça. La Bible dit que tout ça, ça doit nous servir d'exemple. Maintenant, quand la Bible dit ça, ça veut dire un peuple qui a vu Dieu, il a vu le miracle. Ce peuple était attaché à la nature de leur mère et de leur père. Ça veut dire qu'ils étaient attachés à l'idolâtrie. Vous voyez ça? Or, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'ils n'ont pas vu la présence de Moïse un petit temps. Oh, ils devaient savoir que ce n'était pas Moïse, mais c'était Dieu qui dirigeait ce peuple. Amen. Hein? Moïse de lui-même ne pouvait rien faire. Mais comment, à un peu de temps comme ça, ce peuple peut demander encore à Aaron de faire un Dieu qui marche au devant d'eux? Parce que ce peuple était habitué à voir un Dieu physique. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, en faisant ça, ils étaient dans l'idolâtrie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, ils ont fait cette idole qu'on appelle le veau d'or. Deuxièmement, ils ont bâti un hôtel. Amen. Hein? Ça veut dire qu'il y a l'idole, il y a aussi l'hôtel. C'est donc des deux choses que je vais un peu parler. Peut-être aujourd'hui, je vais parler sur l'hôtel, l'idole, mais le dimanche, je vais parler sur les hôtels. Amen. Hein? En regardant aussi, en venant chez toi, dans ta vie, tu viens de quelque part. Tu as un père, une mère. C'est pas ça? Tes ancêtres, ton papa, ta mère aussi vient d'un père et d'une mère. Et quand vous regardez tout ça, voyez un peu ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham d'Israël, où des générations, Dieu constate que le cordon ombilical n'a pas été coupé. Vous voyez ça? Ça veut dire, partant d'Abraham jusqu'à Ézéchiel, plusieurs générations sont passées. Et vous allez constater que les enfants d'Israël étaient toujours attachés à l'idolâtrie. Vous voyez ça?
Et la Bible dit que nous aussi, qu'on ne puisse pas devenir idolâtre. Alors, tu vas faire un peu une prospection pour regarder un peu d'où tu viens. Quelle est ta famille? Amen. Hein? Qui sont tes ancêtres? En contemplant tout ça bien, vous allez constater que nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? La plupart d'eux étaient des bourreaux, étaient des bandits, étaient des sorciers, des occultistes. Vous allez constater qu'ils étaient plongés dans l'idolâtrie. Vous êtes d'accord avec moi? Donc personne ne peut dire que moi, mes ancêtres connaissaient Dieu. Parce que si les ancêtres d'Israël ne connaissaient pas Dieu, mais Dieu s'est révélé à Israël, mais Israël est resté dans l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez? Et en regardant, c'est comme papa qui m'avait dit la fois passée que le cordon ombilical, c'est quelque chose qui relie et que le monde des ténèbres utilise souvent dans la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le cordon ombilical, je sais que tu étais né quelque part. Ceux qui naissent ici aux États-Unis, souvent, quand on prend ça et puis on jette ça dans la poubelle. Mais nous qui venons d'Afrique, ça veut constater que il y a des celles-là, on veut leur dire voilà, et ton cordon a été gardé quelque part, dans une maison, dans la hutte, quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des scènes même qu'on peut prendre et puis enterrer quelque part. Il y a des scènes même où il y a plusieurs choses qui se passent. Mais vous allez constater que, en regardant le cordon ombilical, c'est quelque chose qui est utilisé plus dans la sorcellerie. Parce que dans le monde spirituel, aujourd'hui, je sais que tu connais le Seigneur. Tu as cru au Seigneur. Amen. Hein? Tu as été sauvé. Mais n'oublie pas, la Bible dit que la chair et le sang ont été vendus au diable. Et la chair et le sang mériteront pour le rendre dessus. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire quoi? La chair et le sang appartiennent à ton père et à ta mère. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, Dieu, quand il vient nous sauver, il sauve ton esprit. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le rendre de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a plusieurs liens. Il y a plusieurs sortes de cordons ombilicales qui nous relient à nos familles. Amen. Hein? Parce que si un ancêtre commun à toi était un grand sorcier et qu'il a pu verser du sang sur le trône de la sorcellerie en déclarant, c'est ça que je verse mon sang. Tous les enfants qui vont naître dans cette famille seront des sorciers, vont servir le diable dans la sorcellerie. C'est un pacte qu'il a tissé avec le monde des ténèbres. En ce moment-là, toi, tu n'étais pas encore né. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, qu'est-ce qu'il va constater dans ta vie? Même si tu n'es pas un sorcier qui tue les gens, mais ces esprits de la sorcellerie liés au sang de ton père et de ta mère hein, viendront toujours te visiter de temps à autre. Amen. Hein, où il y aura beaucoup de choses qui ne vont pas aller par rapport à ta vie. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est comme si quelque part ta vie sera contrôlée par des esprits familiers, des esprits liés à ta famille. Maintenant, comment en tant qu'enfant de Dieu, tu dois sortir de tout ça? C'est là qu'on va apprendre ça. Amen. Hein? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes tenus à vivre réellement ce que Dieu a dit. Regarde, je prends l'exemple d'un homme qu'on appelle Gédéon. Ça, c'est Juges, chapitre 6. C'est là où je vais parler parce que nous parlons toujours à la loi au témoignage. Amen. Hein? Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aura pour le peuple. On prend Juges chapitre 6, le verset 25, on va descendre, verset 28, 25 à 28, on prend, on saute 30 à 32. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père, un second taureau de 7 ans, et renverse l'autel de Baal qui est à ton père, abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite disposera sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu qui prendra le second taureau qui offrira un orchestre avec le bois de l'idole que tu auras abattu. 27. J'ai donc pris 10 hommes parmi ses serviteurs, fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Les pieds sacrés placés dessus étaient abattus. Le second taureau était offert encore sur l'autel qui avait été bâti.
Il s'est dit l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a bâti le pied sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, et c'est à vous de prendre parti pour Baal, et c'est à vous de venir à son secours. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. En ce jour-là, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant, que Baal plaide contre lui-même. Amen. Amen. Suivez-moi, bien-aimé. Vous allez voir que nous sommes en train de parler de la maison de ton père. Amen. Hein? Ça, c'est la maison de qui? Le papa de qui? De Gédéon. Or, la Bible dit que le Seigneur s'est rencontré avec Gédéon. Gédéon était un homme de signes. Parce que, en tant qu'un homme de signes, il était habitué à demander des signes. Vous allez voir, par exemple, au verset 17, les juges citent toujours, Gédéon dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ça, c'est Gédéon qui demande un signe à Dieu. Amen. Hein? Et il demande à Dieu, ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande, que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. La Bible dit que l'ange de l'Éternel, hein? Vous voyez ça? On dit c'est l'ange de l'Éternel. Mais en bas, on dit, l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu viennes. L'homme qu'on appelle, la personne qu'on appelle l'ange de l'Éternel, c'était l'Éternel. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La Bible ajoute, Gédéon alla, ça c'est verset 19, prépara un chevreau, fit avec un effort des farines de pain sans levain, il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, et lui apporta sur le terrain et le présenta. L'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ces rochers, répands le jus. Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Amen. Hein? Ça, c'est la lecture. Bien aimé, vous allez constater que Gédéon qui était un homme de signes. Le nom-là, Gédéon, d'abord, il peut dire celui qui abat, celui qui détruit. Amen. Hein? Amen. Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez? Suivez-moi. La Bible dit que quand l'ange s'est rencontré à moi, à Gédéon a demandé un signe. Parce qu'un signe, c'est très important. Et quel est ce signe? Il dit, je vais t'apporter un repas et du jus que tu vas boire. Amen. La Bible dit que c'était un chevreau. Parce que quand vous regardez un chevreau, là, seulement sur un chevreau, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Parce que quand on voit un chevreau, c'est l'enfant, c'est le petit, de la chèvre. Amen. Hein? Et dans la Bible, quand vous regardez, ça représente aussi, parce que la chèvre, le bouc, tout ça, il y a un bouc qu'on appelait le bouc Azazel, où on confessait tous les péchés sur la tête du bouc Azazel. On devait maintenant faire fuir ça dans le désert. Amen. Hein? Oh, le bouc Azazel qui devait porter tous les péchés du peuple, représentait qui ça? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand vous regardez aussi, le chevaux, c'est qu'avait promis à qui ça? À Judas qui avait promis à Tamar. Hein? Oui. Je t'amènerai un chevaux. Oui. Il a donné comme signe les bâtons, les cordons ombilicales et les cachets. Et je vais vous dire qu'en regardant tout ça, parce que quand on voit les cordons, qu'on appelle les trames, les cordons rouges, ça c'était sur du sang. Amen. Hein? Amen. Oh, dans les chevaux, il y a aussi le sang. Amen. Vous voyez ça? Oh, quand on regarde le Seigneur notre Dieu, il a parlé dans la Bible qu'on devait partager les boucs et les quoi? Les brebis. Or, les boucs représentaient les impies. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand vous lisez Cantique des Cantiques, vous allez voir que là-bas, la Bible parle, dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1, la Bible dit que tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres.
suspendu au flanc de la montagne de Galate. Et quand on regarde Cathy de Cathy, ce verset, la Bible dit que ta tête est élevée comme le carmel, les cheveux de ta tête comme la coupe, un roi est enchaîné par les boucles. Or, comme on dit que les cheveux représentent quoi? Les cheveux représentent, selon la Bible, un peuple. Amen. Hein? Amen. Donc, quand les cheveux représentent un peuple, ça veut dire un peuple maintenant qui est comment? C'est là que nous devons chercher à connaître cette histoire. Pourquoi? Parce que quand nous regardons dans la Bible, on voit un peuple. Quel est ce peuple? Le peuple qu'on appelle les cheveux. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Oh, ce peuple qu'on appelle les cheveux, quand nous regardons, vous allez constater que les cheveux, suivez-moi bien. Est-ce que vous comprenez? Hein? Les cheveux, selon la Bible, selon les versions de lire, hein, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Vous êtes d'accord avec moi? Si les cheveux sont comme un troupeau de peuple, un troupeau de chèvres, la Bible dit qu'un roi est attaché aux boucles, à ces cheveux-là. Ça veut dire, les boucles, les chèvres qui représentent la tête, attachées à quoi? À un roi, ça veut dire quoi? Nous, en étant dans le monde, on était des impies. On représentait ces chèvres-là. Amen, hein? Amen. Mais à un roi qui est attaché à ses chèvres, à ses cheveux, c'est le Seigneur Jésus qui est le roi attaché à nous. Amen, hein? Amen. C'est pourquoi quand le Seigneur est sur la terre, vous allez voir que dans Matthieu 10, 30, il dit que même vos cheveux sont comptés. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans lui, il dit qu'il ne se perdra jamais un seul de ses beaux cheveux. Mais quand vous regardez tout ça, combien de fois quand toi tu peines, tu es en train de peigner, de raser, combien de fois tu as perdu les cheveux? Est-ce que le Seigneur a menti? Non. Le Seigneur ne peut pas parler de quelque chose qui ment. Ça ne parlait pas de ces cheveux-là. Il parlait d'un peuple qui ne doit jamais se perdre. Amen. Hein? Amen. Oh, ce peuple-là, c'est toi. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est là que on dit que les cheveux sont attachés à un roi et au flanc de la montagne. Le flanc de la montagne, c'est le côté de la montagne. Oh, Jésus-Christ, c'est la montagne. Amen. Amen, hein? Amen. Le flanc de la montagne, ça veut dire nous, nous sommes attachés à la tête. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, en regardant ça, qu'est-ce qu'on dit? Gédéon, en apportant les chevaux, ça veut dire Gédéon a vu verser du sang. Est-ce que vous comprenez? Mm-hmm. Oh, c'est ça là que Dieu devait manger. Est-ce que vous comprenez? Mm-hmm. Parce qu'il a défendu aux enfants d'Israël que vous ne devez pas boire du sang. Oh, dans le sang, il y a la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand Gédéon amène les chevaux préparés, ça veut dire qu'on a tué les chevaux. Après avoir tué les chevaux, c'est là qu'on a préparé ça. Oh, Jésus-Christ, sur la croix, était devenu un chevreau, ça veut dire un puits, pour que toi et moi nous puissions venir des saints. Préparé, il a dit tout est accompli. Ça veut dire les repas que les gens doivent manger et prêts à manger. Amen. Amen. Et quand on dit qu'il y a du jus qu'il devait apporter, et le pain s'est levé, le pain s'est levé, Jésus-Christ était sans faute, sans tâche, ni rite, ni que c'est semblable. Amen. Amen. Mais il est devenu péché à cause de toi et moi. Amen. Vous voyez ça? C'est lui le pain sans levain. Vous allez voir que du jus dont Gédéon parle là-bas, c'est le sang qui représente le jus. Amen. Hein? Amen. Mais on devait amener ça où ça? On devait amener sur un rocher. Or, les rochers, c'est toujours Jésus-Christ lui-même. Amen. Hein? Amen. C'est comme vous allez voir dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, la Bible dit que le peuple d'Israël marchait. Il vivait à un rocher qui se promenait avec eux. Et ce rocher, c'était Christ. C'est-à-dire, Christ ne date pas quand il est venu dans la chair, mais il date de longtemps. Amen. Vous voyez ça? Ça veut dire, en quelque sorte, Gédéon, maintenant, pour faire son travail, il a demandé un signe. Quel est ce signe? C'était le signe de la croix. Amen. Qui était représenté par les chevaux, le jus et le pain sans les peines. Amen. 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 C'est là, nous aussi, pour détruire l'autel, on va se servir maintenant de cet air. Amen. Mais Gédéon a demandé un second signe. Il a dit encore ceci. Ça, c'est le verset 37. Voici, je vais mettre une toisson de lin dans l'air. Et si la toisson sèle, couvre des rosées, et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main. Comme il a dit, il arriva ainsi le jour suivant. Ça, c'est toujours Jésus 6, 37.
37. Hein? Mm-hmm. Il arriva ainsi le jour suivant. Il se leva de bon matin, pressa la toisson et en fit sortir la rosée qui donna l'eau pleine une coupe. Le verset 39. Je donc dis à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Je parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toisson. Que la toisson, celle reste sèche et tout le terrain se couvre de la rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit. La toisson, celle resta sèche, tout le terrain se couvrit de rosée. Bien-aimé, quand on parle de la toisson, ce sont des cheveux des brebis, les poils des brebis. Hein? Vous voyez ça? Maintenant, quand la Bible dit que je leur demande un signe, parce que je leur fais détruire l'autel des bâtiments qui se trouve dans la maison de leur père. Amen. Hein? Amen. Le premier signe, je vous ai dit que c'est la croix. Amen. Maintenant, il vient aller combattre les Amalécites, les peuples de Mandianites. Amen. Hein? Il demande un second signe. Il dit que le poil de brebis, qu'on appelle la toisson, peut mettre ça dans l'air. L'air, c'est un terrain, c'est l'espace. Amen. Hein? Demain matin, quand je viendrai, que je puisse voir seulement de l'eau se trouvant dans ces poils-là. Et quand je lui ai revenu, exactement, il a dit que le terrain était sec et que de l'eau était seulement au haut, dans les toissons, dans la toisson. Et la Bible dit qu'il avait pressé ça, en pressant ça, ça fait sortir de l'eau d'une coupe pleine. Amen. Amen. Oh, ceci symbolisait tout simplement le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est lui qui représentait cette toisson qui était pleine de l'eau. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout en étant, plein de l'eau, il devait être pressé, ça veut dire, c'est ça l'œuvre de la croix où on a tué le Seigneur. Et la Bible dit que de l'eau et du sang est sorti. Et la Bible dit que la pression du nez produit du sang. Mm-hmm. Vous voyez maintenant que le nez là représente notre Seigneur. Amen, hein? Amen. Là, dans un autre enseignement. Vous allez constater maintenant que Gédéon, en faisant cela, il faisait toujours aussi l'œuvre de la croix. Oh, c'était il y a deux temps. Il y a le temps où le terrain était sec. Parce que l'eau se trouvait tout simplement où? Dans la toisson. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire le monde entier, il n'y avait personne qui avait l'eau. Mm-hmm. Si ce n'est que le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Hein? Amen. Mais aujourd'hui, le deuxième miracle, il dit que le deuxième signe, que le terrain maintenant soit plein d'eau. Et maintenant, la toisson va rester cesse. C'est là bien que vous allez comprendre que Christ dans la chair, quand il y a eu du sang et de l'eau qui était sorti, il nous a transmis sa vie. Amen. L'eau se trouve chez nous maintenant. Amen. Amen. Et lui, il n'est plus dans la chair. Ça veut dire que la toisson maintenant est sec. Amen. 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 Il est maintenant qui? Esprit. Vous voyez ça? Oui. C'est pour vous dire bien aimé que je dois parler de l'œuvre de la croix. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il sait que dans la maison de leur père, il y avait un hôtel de Baal. Je vous ai dit que le cordon ombilical, c'est lié à nos parents, à nos ancêtres. Nous sommes en train de subir seulement des choses que nous, on n'a pas fait. Ces conséquences. Mais maintenant, tu dois connaître comment prier. C'est là où je vais parler toujours sur la vie de la croix. Quand il vient, Dieu demande à Dieu d'abord d'abattre l'hôtel qui se trouve dans la famille de son père. Amen. Regarde Moïse, Aaron. Quand il a fait l'autel d'or, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a fait aussi quoi? Il a fait maintenant un autel. Vous comprenez que l'idole est attachée à un autel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand je viens dans ta vie, dans ta famille, là où tu es né, quand on dit à Israël que ton père était un Amoréen, ta mère était une Essienne, moi je te prends maintenant toi en tant que quelqu'un qui est né de quelque part. Amen. Hein? Peut-être, oh moi je suis Mouzon, oh moi je suis Moulouba, oh moi je suis Américain, oh moi je suis ça. Bien aimé, les ancêtres et les ancêtres de tous ces gens-là, ils étaient dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans des puissants de ténèbres. Amen. Amen. Personne ne peut lever même pour dire que voilà, moi mes ancêtres te connaissaient Dieu. Vous allez voir qu'en Europe, en Occident ici, il y a plus l'idolâtrie, il y a plus l'occultisme, la magie, tout ça, bien aimé, c'est attaché aussi à la vie de tous ces enfants qui naissent ici. Amen. Amen. Chez nous en Afrique maintenant, il y a plus l'esprit de la sorcellerie qui bat son record. Il y a le fétichisme. Amen. Amen. Il y a des hôtels démoniaques bâtis partout par là. Quand je vais parler sur les hôtels, vous allez voir que quand Dieu a demandé à Gédéon,
aux enfants, ils ont dit que le pays où vous allez entrer, le pays de Canaan, vous devez abattre, renverser, détruire, démolir tous ces hôtels que vous allez raconter là-bas. Amen. C'est là, bien aimé, je vais t'apprendre à abattre, détruire, démolir les hôtels que tu as dans la maison de ton père et de ta mère. Amen. Afin que tu vois réellement que Dieu est vivant. Est-ce que vous me comprenez? Et maintenant, aujourd'hui, je parle d'abord sur l'idole. L'idole dont je parle, bien aimé, vous allez constater que, parlant de l'idole, vous allez constater que, quelque part, avant d'abord que je puisse pénétrer sur l'idole, je rentre dans la vie de Gideon, Gédéon. Amen. Hein? La Bible dit que, ça c'est le verset 27 de Jésus 6, j'ai donc pris 10 hommes parmi les serviteurs. Ils firent ce que l'Éternel avait dit, comme il craignait la maison de son père, il l'exécutait de nuit. J'ai donc maintenant, c'est quelqu'un de Dieu qui a appelé. Il sait que le problème, c'est quoi? C'est l'idole, c'est l'autel qui se trouve dans la maison de mon père. Amen, hein? Amen. Toi aussi, je vais te faire découvrir l'autel. L'idole est l'autel qui se trouve dans la maison de ton père et de ta mère. Amen. Amen. La Bible dit que Gédéon devait exécuter le tout pendant la nuit. Oh, quand nous parlons de la nuit, ça c'est le temps de la grâce. Amen, hein? Parce que l'anneau de Dieu devait être immolé entre les deux soirs. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous allez constater que, bien aimé, la nuit, c'est là où Gédéon a pris 10 hommes. Oh, quand vous lisez Zacharie 8, 23, la Bible dit que 10 hommes de toutes les tribus, de toutes les nations, saisiront un juif. Je dis Zacharie 8, 23. 10 hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, saisiront un homme. Et cet homme-là, c'est un juif. Ils diront que par les pans de la robe, nous savons que Dieu est avec vous. Or, en Israël, quand Dieu est venu, Dieu avait besoin d'un homme seulement. Amen. Regarde la base des enfants d'Israël. Il y a 12 tribus. Parmi les 12 tribus, dans les déportations, il part, il amène 10 tribus qui sont perdues. Il élève maintenant les tribus, la tribu de qui? De Juda. Et Benjamin est inclus dans Juda. Ça veut dire, comment? Quand vous allez voir maintenant que quand Dieu envoie des espions, il envoie 12 espions. Quand ils arrivent, ils se divisent 10 contre 10. Mais dans l'élévation, il élève qui ça? Josué. C'est pour dire que Dieu entre en Israël. Il avait besoin seulement d'un homme. Est-ce que vous comprenez? Hein? Et quand Christ est venu sur la terre ce jour-là, devant un rôle, on a présenté, voici l'homme. Amen. L'homme que Dieu cherchait, amen, c'était Jésus qui se lui-même. Amen. L'homme qui devait racheter l'humanité. L'homme qui devait sauver l'humanité. L'homme qui avait la rédemption entre ses mains. Parce que le sang des humains était impur. Ça ne pouvait pas sauver les gens. Amen. Ça ne pouvait pas racheter. Est-ce que vous comprenez? Alors Jésus-Christ maintenant, c'était lui l'homme. Amen. C'est quoi? Le juif, un seul juif là, que 10 personnes de toutes les langues, de toutes les tribus est attachées, sont attachées, c'est Jésus-Christ lui-même. Hein? Maintenant, les 10 hommes là représentent l'Église. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est l'Église qui est attachée à qui? À Jésus-Christ. Vous voyez ça? Oui. C'est pour que vous allez constater que, en faisant les chandeliers, Moïse avait fait un chandelier à sept tiges. Mais Salomon a fait un chandelier à 10 tiges. C'est pour dire, bien aimé, que Dieu a marché. Il y a un temps où il a marché avec Israël. Il y a un temps aussi où il marche avec l'Église. Tout ça sont des temps. Amen. Hein? Amen. Je ne suis pas encore là. Et vous allez constater maintenant que quand Gédéon se sert de 10, ça veut dire Gédéon qui représente Jésus-Christ. Amen. Hein? Maintenant, les 10 qui représentent l'Église, ce sont eux qui doivent abattre les hôtels se trouvant dans la maison des familles de nos parents. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est là, bien aimé, vous allez comprendre que vous allez constater quelque chose que, après avoir abattu l'hôtel, les saints qui étaient des idolâtres ont appelé qui ça? Gédéon, Jérubal. Il donne à Gédéon le nom de Baal toujours. Est-ce que vous comprenez? Hein? Regarde un peu Israël. Jésus-Christ est venu chez eux. On a considéré Jésus
pour nous qui est notre Dieu, pour eux c'était un imposteur, pour eux c'était Belzéboul, pour eux c'était le fils de Marie, pour eux, est-ce que vous comprenez? Rejeté. Or, oh, c'est ça même bien aimé, chez eux, il est Jéhovah, mais chez nous, il est Gédéon. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est là où bien aimé, quand je reviens un peu, pour chercher à détruire quelque chose dans toi, je pars d'abord chez le nom, chez toi, le nom que toi tu as eu. Vous allez constater, bien aimé, j'avais parlé de l'image parce que Jabet, son père, sa mère, a donné le nom à Jabet, le nom de Jabet, qui veut dire, hein, je l'ai enfanté par hein, la douleur. Hein? Ça veut dire, la maman traduit sa douleur dans la vie de son enfant. Souvent, les gens sont nommés en rapport avec les difficultés que nos mamans et nos papas ont rencontrées. Oh, en nommant comme ça, parce que le nom traduit même la vie de la personne. Dans le nom, on trouve des esprits à l'intérieur. En communiquant ça, ça veut dire vous communiquez toute une vie dans la vie de cet enfant. Amen. Hein? Amen. C'est comme ça que vous allez constater que quand quand Jabet, je vais dire ça pour expliquer. Ça c'est 1 Chronique 4, verset 9 à 10. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Maintenant, ça c'est le nom que la mère donne. Hein? Et que vous m'écoutez? Oui. Attention, on t'a donné ton nom. C'est un nom. Hein? Ça c'est la maman qui traduit maintenant. Hein? Sa souffrance chez l'enfant. Mais qu'est-ce que Jacob dit? Jabet dit. Jabet ne dit pas que je vais aller changer ses noms pour prendre le nom d'Isaac, pour prendre le nom d'Anne, pour prendre le nom de qui? Non, il ne dit pas ça. Est-ce que vous comprenez? Tu peux changer le nom, mais les esprits qui sont attachés à ça seront toujours là. Tu vivras tous les effets de ce nom-là. Amen. Hein? Qu'est-ce que je vais t'appeler? J'avais pas imploré, j'avais invoqué les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu es en bénédiction, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, si tu me préserves du malheur, je dis que son nom, ça représente le malheur. Mais si tu me parles de ce malheur, amen, hein, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance par rapport à quoi? À son nom. Et Dieu lui accorda cette demande. Bien, vous voyez maintenant ce qui se passe aujourd'hui, où les gens se font tourner, se donnent des noms par-ci par-là, en changeant, pour aller croire que c'est ça la solution. Non. La solution, c'est la prière. Amen. Et que vous m'écoutez? Amen. La solution, c'est quoi? Amen. C'est la prière. C'est pour ça que vous allez voir que l'église primitive, hein, il percevait dans l'enseignement et dans la prière, il y a des choses. En suivant cet enseignement, je vais un peu pénétrer plus pour te montrer comment prier. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que c'est ça la vie de la connaissance, pour que tu sois libéré. Qu'est-ce qui se passe? Jabet a prié. Quand vous regardez dans la Bible, il n'a pas prié que j'enlève ses noms. Il a demandé, il a dit que si tu me préserves, tu m'enlèves. Si tu me parles de ça, ça veut dire en quelque sorte, si tu me préserves de ce que ma mère a vu, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a prononcé, ce qu'elle a donné, alors je peux faire quelque chose pour toi. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est là où bien aimé d'abord pour détruire ce que tu dois détruire. Tu dois d'abord te demander le nom que tu portes. Son origine, c'est quoi? Amen. Amen. Tu vas demander à ta mère pourquoi tu m'as donné le nom de Dieu. Amen. Amen. Moi, ce n'était pas Willy, c'était Winifred. Et c'était Winifred Prosper Godefroy. Un jour, j'avais demandé à ma mère, à mon père, oh, tu sais, c'était le grand frère de ton père. C'était son nom. J'essaie un peu de prêter pour connaître au moins la vie des grands frères de mon père. On m'a parlé de ça. Est-ce que vous comprenez? C'est là que tu dois rentrer. Tu dois demander à ton père, à ta mère, les noms que vous portez, les noms que vous portez. Parce qu'en Israël, quand vous regardez les enfants d'Israël,
Ils ne prenaient pas les noms comme nous les Africains nous prenons. Si tu es toujours là, tu es avancé de toujours là. Non. Ce n'était pas oh, Abraham a mis au monde Isaac, c'était Abraham, Isaac, Abraham et Jacob, Abraham et. Non, 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 c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Chaque personne avait un nom. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez ce qui s'est passé chez nous. Et vous savez que quand les Blancs sont venus, ils voulaient nous attacher tous. Et ils nous ont attachés à la lignée familiale. Ils nous ont attachés même aux esprits familiers. Sans que nous-mêmes nous puissions comprendre, mais c'était le diable. Est-ce que vous comprenez? Vous allez constater maintenant que tu dois te demander quelle est l'origine de ces noms-là. Là, je parle d'abord des noms qu'on t'a donné, qu'on vous a donné dans la famille. Son origine, c'est quoi? Moi, je sais qu'il y a des gens, dans leur vie, un papa qui était un grand féticheur, on lui a donné le nom de cet argent. Hein? Avec sa machine, avec ses fétiches. Et ils ont dit que non, mes enfants seront des argent. Le nom de l'argent commence à faire. Vous êtes là avec moi. C'est lié à quoi? Au fétiche. Les enfants qui naissent là-bas, ce sont des argent. Tarzan Willy. Tarzan Charles. Tarzan Jacques. Tarzan. Bien aimé, vous voyez déjà que l'origine déjà est très mal. Amen. Hein? Quelle est la signification de ce nom? Parce que pour détruire l'idole, pour abattre l'autel, vous devez connaître toutes ces choses. C'est là, bien aimé, ta prière sera en fonction de ce qu'on a dit. Amen. Hein? Quelles sont les circonstances et les raisons qu'on vous a nommées telles? Parce que la maman peut traduire aussi sa souffrance, ses difficultés. N'oubliez pas, si la mère n'est pas aimée par son mari, la mère peut mettre au monde un enfant et appelle à voilà, je n'étais pas aimé. Souvenez-vous de qui ça? De Rachel. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que dans la connaissance, Rachel est déjà représentée des peuples. Amen. Hein? Parce que Rachel a donné Ben Omi à Benjamin. Parce que le père a donné Benjamin. Ben Omi, c'est fils de ma douleur. Benjamin, c'est fils de ma droite. Vous voyez ça? Ça veut dire là. Oh, le dernier nom de Benjamin, parce que c'est le dernier. Oh, Jésus-Christ, il est le premier. Ça veut dire Ribert, il est aussi le dernier. Ben Omi. C'est ça, Jésus-Christ, homme de douleur, habitué à la souffrance. Amen, hein? C'était l'œuvre de la croix. Maintenant, Benjamin, fils de ma droite, la Bible dit qu'étant allé, il était élevé à la droite du Père. Vous voyez ça? Il était en même temps Benjamin et qui? Benjamin. Ça caractérisait toujours hein, un travail que Dieu devait faire dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Hein? Mais maintenant, toi, tu dois te demander maintenant. Quelle est l'origine de ce nom? Ça provient d'où? Oh voilà, c'était un oncle. C'était un oncle, oh, c'était ma tante. Et c'était mon grand frère. Mais pénètre un peu dans la vie de cette tante. Hein? Demande un peu, parle-moi de cette tante. Oh, cette tante était très colérique. Alors regarde encore si c'était très colérique. Tu vas constater, oui. C'est qu'il y a quelque chose qui est attaché à ce nom. Se trouve hein, à moi. Vous êtes d'accord avec moi? Oh, c'était une bordesse. C'était quelqu'un qui ne s'est pas marié. C'est qui vivait dans la. Et cette tante, elle vivait dans l'adultère, dans l'impurité. Vous allez comprendre que ces esprits vont commencer à se les combattre. Amen. Mais quand toi tu pries, n'enlève pas les noms. Demande à Dieu si tu peux me préserver de tout ce qui comporte les noms. De tel, c'est là où je vais te glorifier. Amen. Amen. Épargne-moi de ça. Garde-moi de ça. Tout ce que les gens vivent dans la famille de Tundula, tout ce que les gens vivent dans la famille de Makama, tout ce que les gens vivent dans la famille de Mantam, tout ce que les gens vivent dans la famille, bien aimé, tout ça maintenant, tu demandes à Dieu que Dieu puisse t'épargner de ça. Amen. Amen. C'est là, bien aimé, tu vas comprendre que. S'il y a des liens et que tu connais la signification, tu vas te détacher dans la vie de prière en demandant à Dieu un rapport avec le nom. Tu es d'accord avec moi? Tu ne vas pas changer le nom. Est-ce que tu me comprends?
va changer les noms, mais les esprits sont attachés à ces noms. Ils doivent être chassés par le nom de qui? De Jésus-Christ. C'est là, bien-aimé, vous allez comprendre que vous allez constater encore que l'idole que les gens portent aujourd'hui, cette idole, ce n'est pas l'idole que nous nous voyons, que voilà, il y a un hôtel quelque part où quelqu'un peut aller, il va dire voilà, moi, j'adore telle chose, je vais adorer dans tel endroit. Bien aimé, ce n'est pas ça. Souvenez-vous maintenant des enfants d'Israël. Je vais parler des idoles. Non, comme étant des statues quelque part que les gens adoraient, je ne vais pas des idoles maintenant que c'est dans ton cœur. Je prends Ézéchiel 14, verset 3 à 6. Ézéchiel 14, verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent les gars sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais ne serais-je consulté par eux? C'est pourquoi parlez, dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui pose ses idoles dans son cœur, qui a les gars, c'est ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, qui veut s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai par la multitude de ses idoles. Vous voyez maintenant que on dit que les idoles se trouvent où? Les idoles se trouvent où? Et suivez-moi l'église. Amen, hein? Amen. On dit les idoles se trouvent où? Amen. Dans nos cœurs. C'est là où Dieu lui-même, tu dois chercher à comprendre d'abord lequel c'est quoi. Parce que quand on ne parle pas de l'origine, tu ne vas pas bien prier. Amen, hein? Amen. Tu vas rester là-bas, malgré que tu es dans le Seigneur, mais tu vois que beaucoup de choses, vous voyez que ce n'est pas électroniquement, c'est comme mécanique. Vous voyez ça? Il y a des combats, il y a des problèmes. C'est là où bien aimé, tu vas chercher à comprendre parce que, quelque part, quand je vois l'homme, le Seigneur a dit un jour, quand on a demandé quel était le plus grand commandement, le Seigneur a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Amen. Hein? Il y a combien? 4. Or, si on dit que le cœur, dans le cœur, il y a l'idole, que devons-nous comprendre par là? Parce que pour expliquer le cœur, bien-aimé, nous devons comprendre que c'est ce que nous appelons, c'est pas la boule, c'est pas l'intérieur. Le cœur, c'est ça qu'on appelle l'esprit de l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'il y a un commentaire de 11 dit que le cœur de l'homme connaît les choses de l'homme, si c'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Ça, c'est un commentaire de verset 11. Amen. Hein? Ça veut dire que celui qui te connaît, c'est ton esprit à toi. C'est ça le cœur de l'homme. Amen. Ce cœur de l'homme est disputé par le diable et par qui? Par Dieu. Maintenant, dans le cœur de l'homme, qu'est-ce qui se trouve là-bas? Le ciel de la spiritualité. Tout ce qui est spirituel, soit négatif, soit positif, ça se trouve où ça? Dans le cœur de l'homme. Ne soyez pas distrait. Amen. Hein? Amen. Les choses qui sont après vous, je vous montrer, je ne parle pas de la connaissance, mais de la vie de la connaissance. Ça va t'aider à savoir comment prier. Amen. Hein? Amen. Donc ne sois pas distrait. Que le diable ne puisse pas être distrait parce que le diable sait qu'avant de ces choses, c'est comme ça qu'il n'a pas trouvé la délivrance. Amen. Hein? Or, si le cœur se trouve le chef de la spiritualité, le cœur, c'est le chef de la morale. Le cœur, c'est le ciel de la conscience du bien et du mal. Je dis ceci. Le cœur, c'est le ciel de la spiritualité négative ou positive. Le cœur, c'est le ciel de la morale. Le cœur, c'est la conscience du bien et du mal. Le cœur, c'est là où il y a les aspirations. C'est ça, c'est là où il y a la sensibilité spirituelle. C'est pour ça que vous allez voir que quand vous regardez dans la Bible, dans Proverbes 4, verset 23, la Bible dit que mon fils, garde bien ton cœur, de lui viennent les sources de vie.
voyez ça? Ça veut dire, le cœur, si je peux prendre ça, c'est comme vous prenez un bateau qui se trouve dans une rivière. Hein? Il y a la partie visible et la partie invisible. La partie visible, nous voyons ça. La partie invisible se trouve sous l'eau. C'est pas ça? Or, nos cœurs, nos esprits, c'est pas visible à l'œil. Amen. Hein? C'est attaché au monde spirituel. C'est attaché aux esprits. Est-ce que vous comprenez? Hein? Mais quels sont ces esprits qui sont attachés à ton esprit, à ton cœur? Là, c'est lié en rapport avec tout qui provient, ta famille, tes parents, les origines. Vous voyez ça? Si par exemple, quelqu'un qui est né dans une famille où le fétichisme bat son record, il sera tenté plus à aller apporter le fétichisme. Amen. Hein? Mais si par la grâce de Dieu, il était un fils d'éternité, Dieu finalement s'est révélé à lui. Mais c'est l'Église qui doit monter à cette personne maintenant. Comment il doit prier pour se détacher maintenant de cet esprit-là? Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Un cœur qui est attaché parce que la famille était attachée à la sorcellerie. Et qu'on a pu verser le sang sur ce trône-là. Le cordon ombilical est attaché à la sorcellerie. Bien aimé, au départ, la personne sera visitée de temps en autre par les esprits de la sorcellerie. Amen. Ils peuvent être conscients ou inconscients, mais le problème est que l'Église doit aider les gens à leur montrer comment prier face à ces esprits liés à leur cœur. Est-ce que vous comprenez, hein? Parce que là, les gens aujourd'hui se retrouvent dans des situations très difficiles. Ils veulent se débarrasser. Ils n'ont pas envie de ça. Mais ils ne savent pas comment prier et que faire. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est là, bien-aimé. En cherchant à connaître l'origine, n'oubliez pas que c'est l'idole qui est attachée à la famille de ton père et de ta mère. Amen. Hein? Si cette idole, c'est la sorcellerie, alors cherche à connaître. L'autel de la sorcellerie se trouvera dans votre main, se trouve pour ça. Là, ne va pas demander, parce qu'il demande en fait de la sorcellerie. Amen. Hein? Puis seulement Dieu, parlez-moi. D'où vient cet autel? On a placé ça où ça? Quand je vais parler sur les autels, je vais te montrer plusieurs sortes d'autels et on va t'apprendre parce qu'il y a des enfants d'Israël. Quand vous allez entrer dans le pays, je vais vous donner. Vous devez abattre, détruire, démolir et ruiner. Amen. Hein? C'est ce que nous allons utiliser dans nos prières. Est-ce que vous comprenez? En ce moment-là, tu seras comme si quelqu'un qui combat les esprits qui sont en train de combattre ta vie. En ce moment-là, tu fais maintenant ce que la Bible dit, résister au diable, il fera l'un de vous. Est-ce que vous comprenez? Hein? En ce moment-là, bien aimé, tu verras que tu auras la capacité, tu vas commencer à voir maintenant la victoire qui se passe dans ta vie, dans plusieurs domaines. Là où ton esprit était attaché, oui. Et t'es vaincu de temps en temps, on peut venir te prendre et t'amener quelque part, te faire visiter quelque part, manger pendant la nuit dans le sommeil, faire des rapports sexuels. Tu verras, tu constateras que ton esprit maintenant commence à résister. Pourquoi? Parce qu'on t'a montré maintenant comment prier face à cette idole. Amen. Hein? Amen. C'est l'Église maintenant qui doit montrer au peuple de Dieu comment prier. Mais chose que l'Église ne fait pas. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est là où notre Église sera caractérisée par l'enseignement et la vie de la prière. Amen. Amen. C'est là où bien-aimé, tu vas connaître comment prier. Alors, bien-aimé, quand vous regardez maintenant, comme on dit que garde ton cœur, je veux dire garde ton esprit, parce que de lui proviennent les sources de vie. Ça veut dire, quand on parle de la source de vie, le Seigneur a dit que c'est du cœur de l'homme proviennent les adultères, tout ce qu'on a cité comme mal, ça provient du cœur. Si ça provient du cœur, alors avant d'arriver au cœur, ça provient aussi de quelque part. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que ça provient maintenant de nos ancêtres. Et quand ça provient de nos ancêtres, c'est que ça a l'influence dans nos vies. Vous êtes d'accord avec moi? Alors qu'est-ce qui doit se passer? Premièrement, n'oublie pas dans ta vie. Ça, c'est si. La Bible dit que les Juifs cherchent le miracle, les Grecs la sagesse. Nous nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, puissance de Dieu envers nous qui croyons. Amen. Je dois vous détruire.
Il s'est servi de l'œuvre de la croix. Amen. Parce qu'on voit les chiens, les chevaux, les pères sans les pères. Amen, hein? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Est-ce que vous me saisissez? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? C'est là bien aimé pour nous la croix de Jésus est toujours en activité. Amen. Pourquoi? La Bible dit que de la sixième heure à la neuvième heure, il est ténèbres à la surface de la terre. Suivez-moi ces paroles. Amen. Parce que là où vous devez commencer à prier sur ça. Amen. Parce que la Bible dit que c'est un courage du cœur, en confessant de la bouche, on va bien au salut. De la sixième heure à la neuvième heure, les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Amen. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Les rideaux du temple se déchirèrent en deux. Plusieurs corps de saints ressuscitèrent. Vous voyez ça? Suivez-moi bien aimé. En regardant la scène qui s'est passée, Colossiens 2, 14 à 15 explique ça. Colossiens 2, 14 à 15 dit, il a effacé les actes, les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il a fallu effacer ça quoi? Comment? C'est par son sang. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça veut dire si quelque part, ton esprit, attaché aux puissants des ténèbres, attaché à la vie de tes parents, attaché à tout ça, vous allez comprendre, vous allez voir, la Bible dit que Jésus-Christ viendra purifier la conscience de l'homme. Oh, la conscience de l'homme, c'est son cœur. Amen. Oh, venir purifier, ça veut dire qu'il doit faire un travail à l'intérieur de toi. Pour faire ce travail à l'intérieur de toi, tu dois utiliser les versets de la Bible. Ça veut dire l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, dans tes paroles d'abord, en priant, Seigneur, regarde l'œuvre de la croix. Vous voyez ça? J'ajoute que, regarde aussi l'œuvre de la résurrection. Hein? Il y a deux choses là. Parce que ça veut dire que quand vous réunissez, je vais les vous de la mort. Hein? Oh! Quand tu dis qu'il a effacé les actes, les dominations, les principaux, vous voyez ça? La Bible ajoute qu'il a mis en spectacle. Ça veut dire quoi? Moi, je constate qu'il y a une idole dans ma famille. Amen. Cette idole est liée à la sorcellerie, au fétichisme. Cette idole est liée au magie, à la magie. Cette idole est liée à n'importe quelle science. Vous me comprenez? Oh, ceux qui ont fait ça, c'est pas moi. Vous ne devez pas oublier que tu dois commencer d'abord à faire une confession par rapport à ce qui s'est passé dans la famille de ton père. Pourquoi? Si vous lisez Néhémie chapitre 1, verset 6, Néhémie n'a pas péché. Pour restaurer le temple, pour bâtir, il va dire, moi et la maison de mon père, nous avons péché. Néhémie s'identifie à ses péchés. C'est pas ça? Oui. Et que vous m'écoutez? Oui. Je vais vous aller écrire. Parce que je suis en train de vous montrer comment vous devez prier. Si tu as impliqué un papier, tu dois commencer à écrire. Parce que tu vas utiliser ça. Si tu n'utilises pas ça, tu ne vas pas rester comme cela. Amen. Hein? Amen. Donc, premièrement, tu commences par une confession. Parce que quand Néhémie a dit ça, regarde aussi Daniel. Daniel aussi fait la même chose. Daniel dit ceci. Il commence par sa prière. Ça, c'est Daniel 9. Quand vous prenez le verset 3, vous descendez. Il dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur en fait de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sang. Le verset 5. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Vous voyez maintenant que Daniel s'identifie au péché de leurs parents. Est-ce que Daniel a commis ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que Daniel a commis ça? Non. Néhémie dit que moi et la maison de mon père, nous avons péché. C'est pour vous dire, bien aimé, que les problèmes des enfants de Dieu aujourd'hui, ils n'arrivent pas à vivre la présence de la croix parce qu'ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas d'abord s'identifier à tout ce qui s'est passé dans la vie de leurs parents par rapport à leur vie. Parce qu'avant d'amener ça dans la prière, dans la croix, tu
Il doit d'abord confesser. Pourquoi? La Bible dit que, ça c'est Matthieu 5, verset 5, il dit que si tu pars en route avec ton adversaire qui t'accuse, hein, à cause de toi, avec lui. Oh, l'adversaire, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui veut aller à la justice, qui va prendre son adversaire pour y aller? Alors je vais t'accuser. Tu as déjà vu ça? Non. Amen. Mais je vous dis que l'adversaire qui nous accuse, c'est le diable. L'adversaire qui nous accuse, ce sont les puissants des ténèbres. Il nous accuse devant Dieu. Il nous accuse sur le trône de la sorcellerie. Il nous accuse dans plusieurs emplois. Amen. S'accorder avec l'adversaire, c'est-à-dire reconnaître quelque part qu'il y a quelque chose, soit un péché, soit un pacte, soit une alliance, qui fait que ces puissants des ténèbres puissent me retenir. Amen. En reconnaissant ça, là, tu viens maintenant avec une confession. Est-ce que vous comprenez, hein? Seigneur, je sais que dans la famille de mon père, de ma mère, vous êtes des idolâtres. Tu t'identifies. Mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, ils ont pu verser leur sang sur le trône de la sorcellerie. Et le sang que moi je porte, c'est leur sang. Amen, hein? Seigneur, je sais que sur la croix, toi tu es devenu péché, enfin moi je puis devenir saint. Je sais que si on m'accuse quelque part, l'écriture des Romains au chapitre 33 dit qui accusera les élus de Dieu? Christ a été accusé à leur place. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc vous prenez les versets, vous êtes en train de replacer ça. Amen. Hein? Amen. Allez, je vous vois, lève de la croix. Je m'identifie au péché de mes ancêtres. Je reconnais, oui, moi aussi, par part de mon sang, je me trouve dans la sorcellerie liée au sang des ancêtres de mes parents. Amen. Amen. Seigneur, il y a cette idole qui est attachée à moi. Je demande pardon en rapport au péché lié à mes ancêtres. Amen. Amen. Vous me comprenez? Mais je sais que si la croix, toi tu es devenu péché, vous êtes devenu saint. Qui va m'accuser? Vous sorciers, puissants des ténèbres, des diables. Tu n'as plus le droit de m'accuser parce que je viens de confesser. Amen. Vous me comprenez? Amen. Le pardon d'une puissance hein, qui libère. Est-ce que vous saisissez? Amen. Si je parle là, demain, c'est pour t'expliquer là où tu dois commencer. Parce que j'ai l'homme pour détruire l'hôtel de Bâle, il se réfère pour ça à la croix. Est-ce que vous comprenez? Seigneur, comme toi, on t'a accusé. J'ai un adversaire auprès de moi qui m'accuse. Si je vais attaquer Cyprien, le sang qu'il pose, c'est le sang de la sorcellerie. Oui, je reconnais que ce sang, c'est le sang de la sorcellerie. Mais le Seigneur Jésus qui m'a dit, il a pu verser son sang précieux. Et j'ai été racheté par ce sang-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je n'appartiens plus à la famille de Tundula. Je n'appartiens plus à la famille de Tela qui déclare dans tes paroles. J'appartiens à la famille chrétienne. Amen. Amen. À la famille de Jésus. J'ai été racheté par cette dot. Est-ce que vous comprenez? En déclarant ça, tu es en train de faire tomber le doigt de Satan pour te contrôler. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bien-aimé. Mais je vais parler, c'est pour les choses à la fois. Nous ne sommes pas pressés. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est parce que les enfants du Nord, c'est encore trop mal. Est-ce que vous comprenez? On va se détacher de tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire encore? L'œuvre de la croix est là. La parole de Dieu dit dans Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, pénétrant âme, esprit, sentir, moi, qui juge des sentiments et des pensées de guerre. Cette parole, c'est là quand je vais pénétrer l'âme, les pensées, tout ça, je vais voir quelles sont les idoles qui se trouvent là-bas et comment tu vas te détacher de ça. Amen. Amen. Premièrement, comme la parole de Dieu est une épée qui sépare. Ça veut dire qu'il se détache. Amen. Hein? C'est la parole de Dieu qui doit te détacher des puissants des ténèbres liés à l'occultisme, liés à la sorcellerie, liés aux forces des mal. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Maintenant, quelle est cette parole que toi tu dois utiliser? Le Seigneur a dit, vous devez prier, délivre-nous du malin. Vous voyez ça? C'est là bien aimé. Je vais expliquer comment prier face à la délivrance. Ça veut dire après ça l'auto-délivrance. Est-ce que vous comprenez? Si je parle là, demandez-le,
ne manquez pas cet enseignement parce que je vais commencer à décortiquer comment prier parfois que la foi de Dieu pour que tu vives la gloire de Dieu. Amen. Je sais que l'ennemi ne voudra pas vous mettre en place. Moi-même, je suis combattu. Moi, je parle de ça. Donc, ce qui sera combattu, il fera pour que vous voyez que vous soyez. Amen. Je vais le dire d'abord, c'est la confession. Tu t'identifies. Hein? Tu reconnais. Si l'adversaire, tu dis à l'adversaire, je reconnais ça. Alors, l'objet d'accusation est de l'église de Samuel. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que quand tu reconnais, alors l'adversaire qui est en cours de route, ce verset dit que si tu t'apportes avec ton adversaire, l'adversaire va t'appeler chez le juge va te livrer à l'officier de justice, on va te foutre dans la prison. Vous voyez ça? Ça, c'est Matthieu 5, 25. Or, l'adversaire qui est le diable, le véritable juge, c'est le Seigneur. Amen, hein? Amen. L'officier qui fout les gens dans la prison, c'est le diable. Il est l'accusateur, il a aussi une prison spirituelle. Vous voyez ça? Maintenant, c'est le Seigneur Jésus qui vient. Il dit d'abord, qui va t'accuser? Il déclare, vous ne devez pas m'accuser parce que moi, j'ai confessé tout ce qu'a fait ma famille dans l'idolâtrie, dans la magie, dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Amen. Amen. Vous voyez ça? Alors, qui va m'accuser? Personne. Ça, c'est Romains 8, 33. Maintenant, on ajoute. Romains 35. Qui me condamnera? Vous voyez ça? En accusant, on doit condamner personne. Oh, beaucoup de gens aujourd'hui se trouvent emprisonnés spirituellement pour condamner des fois ceux qui souffrent de la maladie spirituelle où on va passer par là, il n'y a pas de solution. Oh, c'est une condamnation dans les bancs de ténèbres. Oh, la Bible dit que passer maintenant, ici, nous sommes hein, guéris. Je dois déclarer les vertus de Jésus-Christ qui se met dans la guérison. Vous voyez ça? Il y a des malédictions qui tombent sur la vie des gens. C'est là que tu dois chercher à comprendre que la malédiction est tombée sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu dois comprendre comment manipuler la prière dans la malédiction, afin que ça tombe. Est-ce que vous comprenez, hein? Je dis, il y a la confession à s'identifier au péché de tes parents. D'accord avec moi? Il y a l'épée d'esprit qui doit te détacher. Pour te détacher, c'est ça, couper le cordon ombilical. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ça qui doit parler de ta Dieu dans tes propres paroles, en utilisant les versets de la Bible. Que Dieu m'aide, je vais faire par tous les moyens, confectionner ça dans la Bible, et je vais vous donner ça. Hein? Vous pouvez comprendre l'Église? Je vais vous donner ça parce que vous avez besoin de ça. Parce que nous devons résister au diable. Si eux ont dit que toi, tu deviendras une sorcière, Jésus-Christ est venu racheter, chercher les sorcières. Amen. Amen. Il va te délivrer face à ça. En comprenant comment prier et détacher de ça. Est-ce que vous comprenez? N'oubliez pas que, comme l'idole est là, on doit abattre aussi l'autel. Quand je vais sur l'autel, je vais vous montrer comment abattre l'autel. Je ne vais pas déterminer parce que je vais déballer sur les terres. Amen. Donnez-moi, Dieu vous souhaite un travail dans mon cœur. Amen. Dans la confession, faites tomber les corps et c'est pas de contrôler, de surveiller, de visiter. Amen. Troisièmement, tu dois demander la délivrance. Et j'appelle ça l'auto-délivrance. L'auto-délivrement des esprits travaillent dans la famille de mon père et de ma mère. Détache-moi de cette famille. Parce que je n'ai pas pu faire cette famille. J'ai été racheté par ton sang précieux qui a déplacé ma vie. Tu rompes les ténèbres. Venez sur lui les lumières et de la lumière. Amen. Amen. En déclarant ces paroles bien aimées, automatiquement le diable dit non, c'est ta famille de plus, c'est toi. Est-ce que vous comprenez? Il va me dire, tu fais des astuces, et moi je vais te montrer encore d'autres astuces et comment prier. Amen. Amen. Je m'arrête là-bas. Que le Seigneur te dise ta parole. Amen.